Hey, yo tout le monde, c'est YesGamer54, on se retrouve le 26-05 de tournage, 20h19 de truc. Je suis en compagnie de Juste la Sainteté, salut à toi. Bonjour les Aizei, comment que ça va? Ah c'est pas mal ça, j'adore ton intro. Et du coup on se retrouve sur le jeu que tout le monde critique. Tout le monde dit que c'est un jeu le plus décevant. Biomutant. Oh merci la voix. Du coup, on va pouvoir découvrir tout ça. Alors, les amis, là, je vais faire un test pendant. Je sais pas, il est 20h20. Du coup, on va faire peut-être une vidéo de 30-40 minutes. Si ça me plaît, eh ben, on pourra peut-être faire un let's play. Et si vous aussi, vous êtes partant, hein, évidemment, parce que c'est des deux côtés, évidemment. Moi, si je kiffe, je pense que je ferai en let's play. Mais si moi j'ai un petit doute, et eh ben on verra votre avis, évidemment. Du coup, on va baisser un peu la musique. Et puis, bah, comme ça. Regarde, regarde en bas de dialogue, c'est écrit quoi? Yaourt? C'est quoi yaourt? Regarde en bas de narrateur, c'est Oui, écrit quoi? yaourt. C'est quoi ça? Modifier des dialogues en yaourt? Ah, laquelle les créatures parlent? Oh, les créatures parlent! Montre. Bon. Comment yaourt? Yaourt nature du coup. Yaourt verte. Bon, allez, après avoir rigolé comme ça, on va laisser comme ça. Bon, en plein écran, évidemment. Parce qu'en plus, je peux enregistrer. Alors, juste vérifier pour voir si on voit bien. Et on voit nickel, c'est parfait. C'est quoi le machin? Ouais, bref. Là, on s'en fout. Du coup, je mets le jeu. Et en plus, comme ça, The Easy, il pourra dire son avis aussi sur le jeu. Hein? Parce qu'il hésite un peu maintenant. Du coup, on va faire une nouvelle partie parce qu'on n'a pas fait. Bon, on va se mettre en facile pour pas se faire défoncer la gueule dès le début. Alors, c'est peut-être une vidéo découverte ou peut-être le début du let's play. Ça dépend. Si on est partant. En tout cas, le jeu, il est beau. Il a l'air bien. Alors oui, j'ai précommandé le jeu en Encodez votre avance. ADN. Merci le jeu, j'étais en train de parler. Je disais, j'ai précommandé le jeu bien avant la sortie. Du coup, j'ai une tenue, en fait, c'est Messeder. Du coup, je sais pas comment on pourra le débloquer, je pense que ça sera un peu plus tard. Du coup, là, on va choisir l'espèce. Primal, ok. Ah ok c'est comme un jeu RPG en fait hein. La gueule là j'aime pas. Lui il fait peur. Oula. Tu peux modifier après la tête, hein. Ouais mais bon. Bon je vais prendre la première classe, hein, la classe basique. Hop, on valide. Définissez votre structure Un joker. génétique. Là on va mettre générer. Oula, oula. Non, mais c'est à toi de bouger Oui, ouais, je avec sais. l'analogue. Que sinon, tu vois. Voilà, on va laisser comme ça, hein. On va confirmer. Choisissez une résistance génétique. Bon, on va laisser 6 par sous, hein, parce que voilà. Choisissez le style de fourrure. On va pas toucher la fourrure. Choisissez votre couleur principale. Oui! Choisissez la couleur des Oh! détails. Je m'en fous. Sélectionnez une Voilà. classe. Alors moi, la Commando, classe, les amis. franc-tireur. Ah, Mercenaire. mercenaire! Voilà. Oh! Ghost Tsushima, ça s'appelle. Je sais pas, j'hésite. En fait, c'est classé en fait best-seller. Mais par contre, les amis, pour ceux qui vont acheter le CD, le jeu, sur n'importe quelle plateforme, vous inquiétez pas, vous pouvez l'avoir, la classe mercenaire, mais sauf ça sera payant. Voilà, tout simplement. Je crois que ça va pas coûter trop cher non plus, mais il faudra que vous payiez. Du coup, Franc-tireur. j'hésite entre deux classes. Soit le mercenaire, parce que j'adore Mercenaire. les sabres. Ou soit Franc-tireur. franc-tireur. Pour moi, c'est la classe que bah, chaque avis des personnes que j'ai entendu, des autres youtubeurs, ont pris franc-tireur. C'est la classe qui les a passé, c'est celui-là. Avec la grosse épée et tout. Son Commando. Komodo, hein, je vais vous montrer. Hein. On dirait Rambo. C'est pas mal dit, oh, c'est l'heure de la guerre. Sioni. Alors ça, c'est
Ça fait penser plus à Electro dans Spider-Man. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est Zayzay. Le Saboteur. saboteur, ça fait penser à Ouh. Raphaël, Raphaël dans les Tortues Ninja. Il va faire tout. Pas mal. Sentinelle. Et ça. Oh, fidèle gastro! Pardon. Ou Mary Poppins avec son parapluie. Voilà. Vas-y, moi je prends la classe là direct si je prends le Ah ouais? jeu. Ouais. Qui va partir à la guerre? Ou Sentinelle. celle-là? Saboteur ou sentinelle? Faut que je voie. Ouais, j'avoue, ils sont pas mal. Mais bon, Saboteur, moi je pense qu'on va commandement prendre personnel. Mercenaires parce que voilà, j'adore le Japon, j'adore les samouraïs. Du coup, on est Tu parti as avec le choisi mercenaire. mercenaire. Oui, on est C'est parti. parfait. Ok. On se charge directement dans le didacticiel. Ok. Voici un individu au Oh, passé le jeu, il est beau trouble. quand même. Bah ouais, il est beau quand même. Jeté Il est pas contre son gré dégueulasse. sous le feu des projecteurs, En vrai, commence rien que là, j'ai parfois envie de le déjà prendre. Ah ouais? Nous sommes Ouais, pour la déjà à pièce. l'intersection. Non, mais juste pour l'image. Ouais, Il faut la beauté franchement, du jeu sur en fait. PC, en fait, j'ai Ce l'impression serait que si le maintenant PC, une c'est la meilleure décision version de ou ce jeu, en arrêter de fait. vivre. Ok, suivant. Toutefois, pour vous, Ah oui, ce dans n'est ce pas jeu, les qu'une amis, j'ai oublié de vous dire, intersection. c'est qu'il y a des C'est choix à aussi un faire. choix, le reflet de votre ki, l'énergie primitive qui De s'écoule votre dans ki, tout moi ce ça que fait vous penser à entourez. Naruto, hein. Mais je dis ça. Ou à Dragon Ball. Aussi. Qui c'est dans Naruto? Ouais. Alors, je suis sombre. Alors là, ça fait penser aux Jedi et aux Sith dans Star Wars. Je suis rouge sombre pour la force et le pouvoir. Je suis bleu clair pour la liberté et la loyauté. Si vous me connaissez bien, les gars, je vais dans le pouvoir et Je la me force. présente. Je suis ton côté obscur, Voilà. ta voix intérieure plus précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actions au fil de ta quête. Ah, je ne sais pas vraiment si les ténèbres sont faits pour moi ou je ne fais qu'un avec les ténèbres. Alors moi, je vais faire quelqu'un de très méchant, évidemment. Je fais. J'arrive pas à croire que tu préfères cette chose. Mais j'attendrai que tu changes d'avis. Ah, on pourra changer d'avis. Cette chose? Je suis là, au cas où tu l'aurais oublié. Et permets-moi de te rappeler qu'on est deux moitiés N'hésitez pas à me différentes. dire dans les commentaires, les La amis, seule quel choix différence, vous aurez c'est que fait, moi, je côté suis la du meilleure mal ou alliée. côté des gentils, les Jedi, ou côté des Sith. Toi, la meilleure moitié? Ma voix est plus juste et plus claire. Dans la lumière, on discerne mieux la meilleure fin. Ah oui, c'est vrai, il y a plusieurs fins. Il y a la fin dramatique et la vraie fin du jeu. Voilà. Il n'y La en a que meilleure deux ou fin, trois, je sais c'est plus. celle dont on décide soi-même. Et on dirait qu'on va dans la bonne direction. Allez, bim! Ténèbres, ok, ténèbres légers, ok. Mais par contre, je vais. Ah non, c'est ce côté des gens. Je Voilà. mets qui les choix méchants, il m'a dit que c'était très gentil. Je suis Après, trop t'imagines, petit. la petite voix, elle te dit, mais vous êtes sûr? Ouais. Ce n'était pas votre choix au départ, veuillez faire demi-tour. Histoire d'or Ouais, et de j'avoue. cadavres abandonnés. Je rappelle que nous Alors sommes à la là, le début merci du de la jeu, les amis, nature c'est vraiment et la proie des hommes scénario, et hein. C'est des autres. vraiment le didacticiel pour apprendre les touches, pour apprendre un peu l'histoire et tout. Et après, bah, ça sera les choses sérieuses vont commencer Souvenez-vous de après. la bête qui a brisé votre famille? Ou avez-vous choisi d'oublier? Vous avez tourné le On dos aura au beaucoup de monde, choix à faire en fait dans le erré en jeu. solitaire, pendant que le prédateur devenait plus fort. Et en plus les musiques, les amis. Alors je suis tapé à bah c'était quand? C'était pendant la nuit. C'était hier. Quand j'étais en train de télécharger, j'ai écouté un peu les musiques du jeu. Et franchement, ils ont l'air géniaux comme tout. Oh, ça fait un. Voilà! Ah, j'étais pas prêt, ma gueule! Oh! Oula! Ouah, c'est quoi ça? Oh! Oh, attends! Allez, vas-y! Ah! Oh! Vas-y! Oh, c'est. Par contre, c'est. Alors. C'est pas un truc qui va me déranger, les gars, mais. Quand on appuie sur les boutons. Ça fait un peu chelou en fait. T'as l'impression que c'est. Ils ont du mal en fait. Après, est-ce que ça fait exprès dans le jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, il a l'air pas mal quand même. Hein. Voilà.
Par contre, ça fait penser vraiment au truc de manga en fait. Hein. Waouh! Ah ouais, stylé! Ah, j'aurais préféré qu'il ait une calvitie. Vous chambre à votre cou. Les poils qu'il a sur la tête. Oh, mais c'est le truc du thriller! Ouais. Ouais, ouais. Je viens de remarquer, c'est vraiment le monstre qu'on voit dans le thriller en fait. Biomutant. Bon, même pas la bombe exploser, mais biomutant. Par contre, j'espère que c'est pas le jeu qui revient au menu principal. Ça serait bien. Imagine un jeu en solo. Oh, non, ça charge, regarde ouais, en bas à droite. Ouais, je sais, mais ça pourrait charger aussi pour aller dans le menu principal. Hein. Non, j'espère pas. Bah écoute, moi je regarde encore 10-20 minutes et après j'irai jouer à Dying Light, mais je pense que je vais me le prendre. Il fallait mieux s'en foutre pour cette fois. Mais ce n'est que partie remise. Puis il risque d'être beau sur Xbox Series S. Et j'ai failli me prendre une Series X, mais il y en avait des disponibles sur Amazon, il y en avait 1000. En 5 minutes, il n'y en avait plus. Ouais, wesh. Allez, on ferme la porte. Alors après, les gars, si vous me demandez combien ça coûte le mode mercenaire, je n'ai aucune idée. La seule menace. La faune et la flore ont commencé à muter quand la fin des temps a commencé. L'arbre de vie a commencé à dépérir. Ah oui, ça parle d'une histoire de l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la vie qui va... Soit on est dans les ténèbres, bah on va tuer tout le monde, en fait. On va tuer la planète, en gros. Et sinon, l'arbre de la vie, en fait, il va avoir pas mal d'événements. Vous allez voir, il y aura le froid, il y aura le chaud, il y aura la radiation. Et puis il y aura, je sais plus trop quoi. Il y a quatre choses, en fait. Et vous allez voir, en fait, ça va jouer la sauce, en fait, l'histoire. Oh, il y a les yeux rouges. Par contre, ça fait trop bien, les trucs de... Comme un sort de manga. Comme les... C'est ça, comme les bandes dessinées, des trucs comme ça, là. Ouais, ouais. Ça fait bien, ça change. Moi, ça me fait penser à Sunset Overdrive sur Xbox. Oui. Graphisme. J'avoue. D'ailleurs, apparemment, ils vont en avoir un 2. Ah ouais? Ouais. Mais qui va sortir que sur Xbox alors? Bah ouais, c'était une sur Xbox. Du coup, est-ce qu'ils vont sortir sur PC? Ça se pourrait. Oui, oui, oui. Ce sera sûrement dans le Game Pass d'ailleurs. Ah, ça par contre, ça serait bien. Mais ça serait bien si pourrait mettre le premier. Comme ça, si je pourrais me refaire. Tu trouves des trucs, je sais pas à quoi ça sert, mais je les veux. Alors, c'est quoi? Module électrique. Bientôt, t'auras un fameux laser. Ça serait trop bien. Et là, imagine, côté obscur, t'as le rouge. Voici Dark Maul Mutant. ça sonne bien, quand même. Alors, là, c'est pour récupérer la santé. Toujours plus haut, toujours plus loin. Le passe-partout, tiens, Fort Boyard. Et tiens, en plus, c'est ça, en plus, toujours plus haut, toujours plus loin. Alors... Ah, par contre, on peut fouiller partout. Alors là les gars, c'est vraiment le didacticiel et après je crois que ça commence maintenant, après J'arrive ou t'as trouvé un skate dans les chiottes? Ouais, t'as pas rêvé. Hein. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ok. Il monte vite, wesh. Rigole pas la pipette. Ah je viens d'où, tu viens d'où toi, la petite sauterelle là? Je sais pas. Alors, Pompe-mêla. Pour parer, ok. La mélasse, c'est partout. Pour certains, cela signifie la mort. Mais d'autres se sont adaptés à ce nouvel environnement et ont changé avec nous. C'est la loi de l'évolution. L'évolution. Ça fait trop penser à des Pokémon maintenant. Super. Bonne estafilade. Oh la vache, par contre, ouais, en facile, on enlève beaucoup la vie, hein, normal. Ah, il y a un truc hybride. Est-ce que j'ai le temps d'aller le chercher? Oui. Le butin. Ok. Alors, explorer. Ok, on va explorer. Ah, attends, t'as oublié de ramasser un truc sur le monstre. Ah ouais? Ouais. Ah, bien joué. Oh! Ça me fait peur. On croirait le médicament. Par contre, après, bah, on saura un peu plus hein, dans le jeu, évidemment, que ça sert les produits et tout. Bon, je pense pas qu'on va aller dans l'eau parce que sinon, on va mourir. Ça sera un peu con de mourir dans le didacticiel, mais... Bah franchement, ça a l'air pas si mauvais que ça, en fait, donc le jeu. Wow! Ça, par contre, j'ai kiffé. Wow!
Ah ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est comme un Dark Souls avec beaucoup de monstres. Mais plus manga, pas bah, plus dessin animé quoi, bande dessinée quoi. Et une élimination, une. Bon par contre le narratif, voilà quoi. Le narrateur, c'est un moment ou un autre je peux désactiver, je crois que je vais désactiver quoi. Ok. Allez, à plus héros. Qui se prend pour une racaille. Par contre, le nombre d'XP, ça monte pas beaucoup. Hein. Ah, si vous avez faim du Japon, évidemment. Pas mal, pas mal. Bah, en fait, il est pas si. Si moche que ça, en fait, le jeu. Hein. Non, il est grave beau, moi, je trouve. Bah, ouais. Donc, moi, avec ma télé 4K et ma nouvelle Xbox, là, ça va le faire. Ah, oh, bah, oui. Je vais peut-être même pouvoir faire des lives sur ma Xbox, tu vois. Ah, oh, bah, hey, pourquoi pas. Ça marchera bien. Ah, oh, bah, ça, c'est clair. Là, tu auras plus de direct TP, hein. Ce Resident Evil en plus, le truc qui décrédibilise le jeu d'horreur. Allez, non, et puis, vous avez avec... rigolé dans un jeu d'horreur, vous n'aurez même pas peur, je peux vous faire la promesse. Allez, c'est parti les gars. Et puis même c'est fait aussi. Un coup tu vas dans l'espace et après tu revois que tu es sur une autre planète, tu sais même pas comment t'as fait. Le mec qui se téléporte. Ouais. Oh ah, il m'a fait peur lui, je crois que c'était un caillou le truc qui s'enlève. C'est le Joker, t'as vu les cheveux verts. Ah, ouais, c'est vrai. Bah non, Joker. Il a l'air un peu con avec son bouclier, lui. Bon, ça a l'air spécial, le système de combat, pour tourner les touches et tout. Après, t'es sur PC, donc... Bon, bah ça va. Je gère pas mal pour le moment. Ah, il y a un autre monstre à côté. Mais pour lui, il y en a plein de petits. Bon, en tout cas, je pense que, à mon avis, je pense que c'est le gros didacticiel. Après, tu vas tout retomber à zéro au niveau des armes. Et puis, je serai moins fort. Avec ça, oui, bah, je pense. Hein. Parce que là, tu perds quasi pas de vie quand il te tape, t'es en train de buter tout le monde. Bah oui, après, celui-là, c'est vraiment le didacticiel pour apprendre vraiment le principe du jeu, quoi. Oh, point d'amélioration. Alors, 20 des ennemis accomplis une quête de XP montée au niveau. Ok, bah ça on le savait, merci beaucoup au jeu. Niveau 2, nickel. Faut que tu récupères des trucs chaque cadavre d'ennemi, je crois. Ah. Ok, ça on prend. Ça on prend. Je crois que c'était un sushi le truc. Bah c'est ça. C'est un sushi. Ok, ok. Alors là par contre. Wouah, c'est. Ça doit être grand quand même. Hein. Wow, bah hey, regarde. Attends, ça se trouve, il y a le trou noir là-bas, tu sais même pas si ça... Ah, j'adore la planète, là. Roule pas mousse. Wow. Zone morte. Fuite à garer. Oh. J'aime bien. Ça change le menu, quand même. Hein. Et tu sais que le jeu, il a été créé par une vingtaine de personnes. Je sais. Pas beaucoup, hein. Bah, du coup, moi, les amis, je vais m'améliorer. Ma santé de vie. Encaisser n'importe quel coup. Allez. Combat rapproché, combat à distance. Le Wing Chun. Ah oui, en fait, c'est un jeu normalement de Kung Fu et tout. Hein. Corps à corps. Après, je sais pas c'est quoi. On voit rien. Taille à une main, corps à corps. Moi je pense que je prends de taille à une main. Et on va prendre. Ah ouais! Ça par contre je veux bien. Et par contre, les amis, j'avais vu aussi qu'on peut avoir des nunchaku dans ce jeu. Et ça, franchement, si j'arrive à débloquer une nunchaku, je prends direct. Sans hésiter. Mais bon, ça va être chaud. Hein. Du coup, bah voilà. On va pouvoir continuer un peu. Voilà, ça va être vraiment une vidéo. Bah, je pense que je vais faire tout le didacticiel. Après, on va avancer un petit peu et puis après, on va s'arrêter. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une petite vidéo. Une voie d'urgence du temps d'avant. C'est plutôt rare. Du temps d'avant ? Oh, ça va être quoi ça encore ? C'est quoi ça ? Un pied de biche ? Non, c'est le pied de chic dans l'ancien monde. Ah ouais, en fait, dans un délire d'ancien monde et tout. Ah, j'adore. Elle savait comment il tient ses armes.
C'est je kiffe. Ah, t'as même un point américain, regarde, si tu regardes sur le côté droit de l'écran. T'as un point américain, t'as une seringue et le pistolet. Ah ouais. Ce tuyau a l'air fragile. Pourquoi ne pas essayer le pied de chiche? Wow. Ok, faut appuyer plusieurs fois. Par contre, avant de descendre, est-ce qu'il n'y a pas un truc à ramasser? Non. Bon, bah, on y va. Wow. Il est temps de trouver un moyen de sortir d'ici. Ouais. Sérieusement. Ah bah, oh, calme-toi, Jackie. On sait même pas comment tu t'appelles, tu t'es même pas présenté. Tranquille, mec. Oh, bah, en plus, c'est musique. Ah, bon. Ah, le double saut. Wouah, un Jedi. Bon, là, c'est plus un site en ce moment avec moi, mais c'est plus. Voilà, quoi. Vous avez compris. Oh. Mais c'est trop beau le jeu. Les morts produisent de la biomatière. Ah, j'ai l'impression qu'on est en train de voir tous les lieux qu'on peut avoir, tu sais. On va voir la glace, le feu et tout, le désert et tout. Je pense. Oh, hey. En fait, ça fait penser à quoi? À Devil May Cry, moi. Bah, c'est un mélange de Devil May Cry, Kung Fu Panda, des trucs comme ça. Mais franchement, j'aime. Et Tortue Ninja aussi. Le système de combat. Moi, je vais juste m'arrêter là de te regarder pour pas me spoiler. Ouais. Comme ça, je vais jouer à. Ah, parce que ça veut dire que ta liste officielle, tu comptes te prendre. Ouh, je vais le prendre. Okay. Tu m'as fait changer d'avis. Et bah, tu dis quoi? Merci, Zay Zay. Bah, oui, merci, Zay Zay. Ouais, parce que. Après, ouais, alors, je sais pourquoi vous. Alors, pour ceux qui veulent savoir pourquoi il dit ça, parce qu'en fait, on a écouté les avis de pas mal de youtubeurs qui connaissent bien. Voilà, des fois, leur avis, en fait, on est d'accord avec eux. Et moi, je me suis dit, bon, tant pis, j'ai acheté, voilà, j'essaierai, et puis après, on verra bien. Et bah, franchement, les gars, je vous dis honnêtement, je kiffe le jeu. C'est ça fait un mélange aussi de quoi? De Zelda, de Zelda, le dernier qui était sorti sur la Switch. Comme Breath of the Wild. Ouais. Mais ça sera un peu plus loin, ça sera quand on aura la parapente. Parce qu'on va avoir une parapente aussi. Ouais. Je vais juste éteindre la lumière, moi j'arrive. Ouais. Bon, en tout cas, les amis, franchement, je kiffe. Mais je pense, les amis, je pense que je vais faire un let's play. Partie des vaisseaux baptisés Arche, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard? Grâce aux journaux de bord de l'unique Arche qui restait. On a combien de minutes là? On est à combien de minutes? On est à 23 minutes. Ok. N'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel emploi. Ouais. Là, on va pas. Voilà, on s'en fout. Ah, par contre, il y a une. Sésame, pourquoi tu ne veux pas t'ouvrir? Ah, ok, on est obligé, écoute. On est obligé de faire ça. Oh, arrive sur Dying Light 2, ils disent n'oubliez pas le rendez-vous du 27 mai à 9h. À 9h de l'après-midi. Ouais, à 9h du soir, quoi. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Wow, ça veut dire que ça sent bon, ça. Il y aura un live Twitch. Oh yeah! De gameplay, Dying Light 2. Ah si, il y a Far Cry 6, Halo, plus Dying Light 2. Yes, pour la fin d'année. Mais je te jure, je vais kiffer Noël. Moi je prends tout. Ça va être le meilleur Noël de ma vie. Ah bah je les prends tous, moi. Je pense que Halo, pour une fois, j'aimerais reprendre le collector. C'est un putain de collector. Mais moi, Halo, je suis tout de suite, hein, je prends direct sur PC. Hein. Bah, moi, je le prendrai sur Xbox, mais il va être cross-platform. Ah ouais? Ils produisaient des. Ouais, puis de PC à Xbox, tu peux jouer ensemble. Ah bah, nickel. Considération pour les générations futures. Mais je pense qu'il faudra déjà qu'on fasse une fois le jeu tout seul, et après, on se le fera en légendaire tous les deux. Un truc comme ça, ça peut être grand. En légendaire, on fera en vidéo. Leurs déchets toxiques voilà. À la saline, okay. Juste au large des côtes. Ouais, mais on attendra un petit peu quand même. Et se décomposerait avec parce que si tu enchaînes directement, ça va me saouler, moi.
Mais le monde. Ah, non, moi je sais que tout seul je vais tout fouiller. Et ensuite, une fois dans la comme série, ça tu mettras à fouiller en vidéo. Oui, et puis après il y aura peut-être un trophée où il faut le faire tout seul en légendaire aussi. D'étrange mutation. Ouais, ça, Moi, Halo, ma vie en ceci, l'occasion ouvert. Et puis ça se peut que le dernier Halo, le nouveau Halo, ce soir on aura peut-être un invité spécial. Jamais comme avant. Et les ruines de ce monde devinrent le nom. Si tu réfléchis bien, peut-être. Ah bah oui, bah j'aimerais bien, ça serait cool. Putain, elle est live là par contre. Je lui ai dit, vas-y, on te séquestre, tu restes là. Les gens, ils seraient choqués, je pense. Merde, je suis tombé dans le vide. Et en plus, ça serait pas en live, ça serait en vidéo, bah. Ça vient de derrière cette tête. Bah ouais, il pourrait montrer sa tête en plus. Bah ouais. Après, je pourrais faire un peu de montage et tout. Cette boîte après, ça ne me dérange pas parce que les montages, en ce moment, j'enchaîne. Du coup, c'est pour ça. Bonjour, monsieur. Oh, au revoir, monsieur. Ah, bleu mutant. Bleu mutant. Vas-y, je suis désolé. Ouais. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Plus que quelques coups, ne les gâchez pas. Sacré coup de jus! Oh merde, je suis trompé. Réessayons. Je suis trompé. Ah non, c'est bon. Et voilà le travail. Le type avec les roues est encerclé. Vous feriez bien de l'aider. Coupé, tranché, servé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois même protéger les personnes dans un fauteuil roulant quoi. Ah non, c'est trop bien. Transformation en passoire. Comment ils ont fait pour rentrer là-dedans hein? Il y a même des problèmes. Ah, là, l'entrée. Mais par contre, ils ont du mal à mourir quand même. Hein. Ils ont niveau 1, ils ont du mal à mourir. C'était le dernier ennemi. Allons voir celui avec les roues avant que les renforts arrivent. Ah, j'ai trouvé l'entrée, d'accord. C'est par là. Okay, c'est pas là-bas le pire. On trouve des trucs un peu partout. Ouais, et par contre, il y a pas mal d'objets, c'est abusé. Mais je crois que, ouais, Isaïe, je te dis honnêtement, tu vas kiffer. Tu vas kiffer le jeu. Tu vas kiffer le jeu. Ah oui? Ah ouais. Mais là, ça part dans un sens. Ah, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Ça part dans le... Comment? Là, je peux non, il n'y a pas de comment. Non, il a dit comment. Il n'y a pas de comment. En plus, les amis, chaque fois quand je fais une vidéo, je me fais interrompre en téléphone, c'est abusé. Mais je réponds pas. Non, parce que, Je veux qu'il arrête de parler. Ah. Wallahi billahi. Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. J'adore son nom. Sa voix semble familière. Ah. Le fossile, c'est le mec qui parle. Pourquoi? Ah, c'est le gars en yaourt. Il se présente sous le nom du fossile. On aura tout vu. Il sait qu'il n'est plus de ce temps, mais il n'a pas encore baissé les bras. Ah, mais je suis bête. C'est comme ça. C'est les mecs qui parlent en yaourt, en fait. Que vous ne reconnaissiez pas. Okay. Vous étiez très jeune à l'époque, la nuit où tout a changé. Ah, on va peut-être revoir le passé. Bah, des rumeurs. En gros, on va recommencer. Le passé. Non, arrête. La grande muraille. Droit d'auteur, fais gaffe. Il est content de voir. Droit d'auteur. Dépassé comme un paria et vieille. Et on n'a jamais assez. Et on n'a jamais assez. Oui, c'est les frères Zaïzaï.
Essayez les frères, et Le mal que l'enfant avait fui lui avait laissé une marque, une cicatrice pour se souvenir du passé. Oui, c'est Burmuda. Ah, attendez les gars, il y a encore des choix à faire. C'est une cicatrice que vous avez derrière ce cachet. Des choix. Mais il vous aurait appelé dans tous les cas. Vous ressemblez bien trop à votre maman. Pour dire maman, c'est eux, ils disent maman. Ne faites aucun doute de maman, de l'enfant. Ils ont dit, on vous reconnaît avec vos moments. À votre village, à votre maman, et Popsy. Ah, et Popsy, c'est le papa. Vipoxy. Il dit que vous avez mis du temps à ramener le passé jusqu'au présent et à retrouver votre chemin. Mais il est content que vous l'ayez fait. Ah, il est content. Je suis à fond dans le scénario. C'est après l'attaque que l'union s'est délitée. C'est si bien que ça. Les disciples de votre moment se sont divisés et ont formé des tribus en réaction au fléau qui accablait la terre. Fais la force. Ah, je vais pas. Qu'est-ce qui est en jeu? La menace imminente des mange-mondes abattant l'arbre de vie. Voilà, c'est proche. Ça. Je vous ai dit, l'arbre de la vie est menacé. De la tribu Jagni. Après, bah, il faut faire des alliances, on peut trahir les alliés, on peut faire pas mal de choses et ça, c'est cool. Sans l'arbre de vie, personne n'aurait survécu. Il espère que vous vous souvenez au moins de l'arbre. Ah, un flashback peut-être. En tout cas, voilà. En tout cas, tous les choix qu'on fera depuis le début du jeu, c'est que voilà, ça va soit être dans le côté du bien, soit du côté du mal. Oh, là, on est en tout petit. Waouh, c'est trop beau. Et je vais kiffer. Je vais adorer ce jeu, les gars. C'est obligé. Mais le scénario, franchement, il, ce qu'ils ont là. Johnny de jeune. Oh là là. Demande si vous êtes en forme, car il y a encore de la marche depuis le village. Votre môme. Heureusement que je suis en train de jouer à Dying Light, hein, parce que s'il sort en mois de décembre. Ouais. Le peuple passe. Je t'avais dit quoi? Il sortirait en fin d'année. Lié d'une façon ou d'une autre avec ce petit arbre. Ah, depuis tant qu'on attend celui-là. Ouais. Et du coup, j'espère qu'il est crossplay quand même. Ouais, je le prendrai sur PC, je pense. Ah. Attends, bon, fais dans la continuité quand même. Bah oui. Bon. On a passé un peu. Bon, on va terminer juste le didacticiel, hein, parce que ça, j'ai encore le didacticiel, évidemment. Et puis après, voilà un coin. En tout cas, voilà, sachez, les amis, c'est officiel. Ça sera pas qu'une vidéo découverte sur ce jeu, ça va être vraiment le let's play parce que je kiffe. Voilà, je kiffe et je pensais pas. Voilà, comme je vous ai dit, hein, y a chacun qui donne son avis sur en question, il y en a qui peut aimer, il y en a qui n'aime pas, etc. Moi je kiffe vraiment ce jeu et. Et puis bah, Zay aussi, hein, il confirme hein, qu'il va kiffer aussi ce jeu. Par contre, agité. Ah, ok, c'est comme ça. Ouais, il deviendra plus fort. Bon, là, on va passer un peu. Ah, par contre, on peut pas passer. Vous aurez besoin d'un filet. Ok, on a gagné un filet. Ok. Ouais, voilà, on va passer. Combien de mots a-t-il besoin? Où je peux les trouver? Ouais. Ok. Voilà, on va juste passer un peu quand il parle parce qu'il me saoule un peu. Et il fait c'est un peu chelou. Non et puis là en fait là, c'est vraiment juste le penser à Motosé, ok. Faire fusionner le nono avec l'arbre. Ok. Bon après ça c'est pas trop important et puis après au pire hein, on peut retrouver dans les options. Du diaticiel, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, hop, on va fusionner. Attends, je suis mort comme un con. Waouh. Oh, la musique. Oh, il y a encore lui, hein, Johnny. Hein. Hey, Johnny. Il dit que vous feriez mieux de vite retourner au village. Voilà.
Ok. Là, on revoit l'écran blanc. À mon avis, on va retourner dans le présent. Parce que là, c'était le passé. Oui, ça. Il ne savait plus où vous étiez pendant un moment. En fait, en gros, on va revoir. Il se souvient de chaque jour qu'il a passé à l'arbre de vie. Ouais, le passé du notre héros, quoi. Il a peur que tout ça ait. Ah, le passé là, comment dans l'arbre a commencé à briller. Alors, on va faire des sur les gens. Effroyablement, ça va être drôle. Ouais, j'avoue. L'évolution génétique. Le passé. Par Toxanol. Non, et bah celui qui a juste, on mettra le passé dans son commentaire en répondant. J'avoue. Et je viendrai même répondre en personne. Ok, pas de souci. Vous avez entendu. Il travaille sur un mecton et a besoin d'un coup de main pour terrasser le gigapouf, tout au bout de la racine ouest. Alors cette vidéo-là, les amis, je vous dis honnêtement, il sortira oui, ce week-end. C'est-à-dire, on est quel jour? On est mercredi aujourd'hui. J'ai programmé sûrement samedi ou dimanche. Je pense que ça serait la vidéo de dimanche. Ça va changer un peu. Et ça sera vers 14h la vidéo. Et du coup, vous savez que quand j'aurai déjà tout mis, l'aspect que j'ai fini en avance et puis tout ça, je pense qu'on commencera Biomutant. Je pense qu'on fera une petite pause à Harry Potter. Je termine juste de faire le montage du 4 derniers épisodes de Harry Potter. Et après, on enchaînera sur Biomutant. Comme ça fera une petite pause sur Harry Potter. Le fossile dit que ses amis s'équipent pour stopper les mangements. Comment je vais faire pour les 20? Bon, on va passer un peu. Quoi qu'il arrive, vous vous rencontrerez à nouveau lorsque vous aurez joué votre rôle dans la guerre. Ok. Ah, l'autre monde. Forcez la porte. Ah, le destin du monde, ça s'appelle comme quête principale. Après, il y a des quêtes annexes aussi, bon, on les fera peut-être pas. Vous commencez à vous y faire. Je pense qu'on fera juste les quêtes principales, le plus important dans l'aspect. Après, quand la je pourrais faire la des plus lives. Rapide est par le toit, là où ils sont entrés. La corde a l'air suffisamment solide pour y grimper. Oh, il m'interrompt tout le temps, le mec. Ah, titrer le bunker, les amis, ça va être la fin de didacticiel, ça veut dire la fin de didacticiel égale la fin de la vidéo aussi. Je sais juste ça, en fait, que le bunker, ça fait tout le didacticiel. C'est tout ce que je sais du jeu. C'est super, hein, c'est bien. Oh, et puis voilà. Du coup, on va sortir. Est-ce qu'on aura une vidéo? En plus, c'est bien, c'est beaucoup de sauvegardes auto, ça fait plaisir. Waouh, c'est trop beau. Sachez que l'arbre de vie se meurt, que ses jours sont comptés. Je crois, sans assistance, le nom du jeu. Il ne survivra pas au changement environnemental ni aux attaques des mange-monde. Et voilà, Biomutant. Et voilà, l'intite intro, le didacticiel qui fait l'introduction du jeu. Et là, maintenant, je crois qu'on est dans l'Upper World, ça veut dire, présenté par Experiment 101, c'est les créateurs du jeu. Ah, trophée. Magnifique. Ah, on peut sprinter. Ah, pas mal, ça. Oh, c'est un panneau indicateur. Ça aide ceux qui sont nuls en orientation à se repérer. Ah, ok. J'adore... on est obligé de le faire. Oh. Ok. Voyons voir. Ah, c'est un point de compte, un point de passage, ok. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Ok, bon, on avait vu la carte, les amis, évidemment. On va placer comme ça. Hop. Ok, c'est pour indiquer le... où est la prochaine mission. Ok. Aventurez-vous dans le monde, les premiers pas. Ok. Oh là, un drôle de monstre, ça. Ils sont trop bien faits, les monstres. Voilà sans doute le mange-monde qui a dévoré la patte du fossile. Vous allez devoir trouver un sacré stratagème pour terrasser cette bête. Au fil du temps, les mange-mondes ont laissé leur marque sur notre monde. Ok. Eh ben, vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter ici. Pour la vidéo découverte, pour le premier, on peut dire maintenant le premier épisode de ce Let's Play, on va sauvegarder, boum, niveau 2 déjà, ok, et on va retourner
dans le menu principal, évidemment. Et du coup, les amis, du coup, dimanche, vous aurez cette vidéo-là. La semaine prochaine, vous aurez deux vidéos spéciales, mais je peux pas vous en parler plus, ça sera la surprise. Sauf, je peux vous dire, il y aura juste une grosse vidéo unboxing avec une grosse valeur que j'ai. En fait, j'aurai un colis mystère par le magasin où j'achète les figurines et tout. Bon, je peux pas vous en parler un peu plus que ça, mais voilà, il y aura une grosse vidéo unboxing. Voilà, ça, il a dit, il va me faire un colis mystère, je sais pas du coup qu'est-ce qu'il va me mettre dedans, et on découvrira comme ça en vidéo, et je vous mettrai, quand vous verrez la vidéo de Bessie Mystère, et ben vous aurez deux vidéos le jour là, mais vous inquiétez pas, je vous préviendrai sur les réseaux, et puis voilà quoi. Bon, en tout cas les amis, je vais vous laisser ici, je vous fais des gros bisous, merci à toi juste 5T, monsieur Zayzay pour être venu avec moi. En tout cas, les amis, quand il commencera à faire des lives, évidemment, je vous mettrai le lien de sa chaîne de Twitch. Comme ça, si vous voulez aller voir, pour donner du courage et tout, pour aller voir sur Biomutant aussi, hein, parce qu'il va pas faire sûrement les mêmes choses que moi. Et ça va être plus intéressant, comme ça, vous pouvez comparer nos deux choix. Peut-être que vous aurez deux fins différentes. Et puis voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour la suite de Biomutant. Je sais pas quand encore. Faut déjà, je termine déjà Harry Potter. Après, comme ça, je ferai une pause sur Harry Potter un petit peu. Parce que voilà, Harry Potter en ce moment, j'enchaîne que ça. Et du coup, bah, on pourra changer d'autres jeux. Et ça va être plus intéressant pour vous comme pour moi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la suite. À la prochaine, prochain épisode, tout simplement. Allez, salut tout le monde. Bye.